Et donc, salut à tous, c'est Clément 1325 et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Project Central. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis chaud. Et c'est vrai qu'on avait plus d'épée, j'avais complètement zappé ça. Oh putain, je sais pas comment ça marche mais oh putain. Oh tiens, j'ai une hache en or, je crois que je vais me battre avec. Bon, donc je me souviens plus où on s'était arrêté, apparemment celle-là on l'a pas faite. Celle-là... Apparemment la fête, ou alors il y avait tout simplement rien du tout. Et on va aller voir les autres d'abord avant de s'attaquer aux zombies. Ah, celle-là elle est bien éclairée, il y a un arc. Comme d'hab, ça me sert pas à grand chose, mais je le récupère quand même. Hop, un arc normal en plus, même pas enchant. Putain, le creeper il me fait peur à chaque fois que je le vois. Faut que je fasse gaffe. What the fuck? Putain, comme j'ai sursauté. Oh, il y a du monde. On va d'abord aller faire les zombies, hein, si ça vous dérange pas. Coucou mon petit. Ah, c'est pas la même salle. Il me semble que j'avais essayé de rentrer déjà la dernière fois. C'est peut-être pas cette salle-là. Oh, et il faut que je bouffe. Hop. Allez, viande de zombac, on s'en fout. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Et ma hache est déjà presque terminée. Elle est déjà terminée. Crève. Pourriture de l'enfer. Allez l'araignée, viens par là. Hop. Tout, je l'ai loupé. Hop. Hop. Ok, en deux flèches, ils sont morts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est pas une bonne nouvelle de viser le mur. Une et deux. Deux chargés à bloc, évidemment. Pas tout le temps, apparemment. Zombies. Et zombies. Et zombies, bordel de merde. Aïe, 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 je vais crever. Non, c'est bon. Putain, mais ils sont nombreux en plus. Allez, allez, motivé. Oh, mais c'est bon, ils tombent comme des mouches. Oups. D'ailleurs, ça vient d'où cette expression, tomber comme des mouches? Je me pose toujours des questions débiles au moment où c'est pas le moment de se poser les questions. Oh mon dieu, qu'il est moche. Crève, pourriture de l'enfer. Hop. Allez, mais barrez-vous. Putain, mais ils sont combien? Je vais finir par crever ou par plus avoir de flèches. Je pense que la solution ne plus avoir de flèches se rapproche de plus en plus. Il n'y avait pas une araignée? Elle est passée où? La pioche. Oh merde. Et merde. Fallait que ça arrive maintenant. Et j'ai plus de flèches non plus. Putain de bordel. Ok, on va visiter une autre salle un petit peu plus tranquille et on va voir si on peut pas choper une épée. Ok, ça c'est les salles que j'ai déjà faites. Hop, y a pas un truc là-dedans? Genre ils ont caché une épée secrète ou un truc dans le genre. Ah, ça me fait vraiment chier de plus avoir d'armes. On va aller par ici. C'est quoi ça? Ça sent la connerie. This really do nothing. Ça ne fait rien du tout, ne perdez pas votre temps. Ça veut dire que ça fait quelque chose. Mais il doit y avoir un code à reproduire que je ne connais pas. Donc on va pas perdre notre temps pour l'instant. Homme et femme, ok. Oh, pas mal les robinets comme ça. J'avais jamais vu et c'est très bien pensé. Allez, une feuille de papier mais je m'en fous. Ouais, je peux rien faire de toute façon avec une feuille. Putain, il me fait peur lui, avec sa tête au-dessus des toilettes. C'est une idée à la con. C'est la meilleure chose pour filer une crise cardiaque à quelqu'un. Feuille de papier. Ah, c'est bon, j'ai compris pourquoi ils mettent une feuille de papier. C'est pour représenter le papier toilette. C'est pas bête du tout. Workroom, salle de travail. Vu comme c'est éclairé, je pense qu'il n'y a pas trop de danger. Ça peut être utile, même si j'en ai rien à faire en fait. Hop, on va se nourrir. Pour l'instant, on va continuer de bouffer de la viande de zombie. Hein. De toute façon, ça sert à rien. Passage secret, vas-y, passage secret. Même pas. Bon, dommage. Salle de stockage. Oh yes, une épée, dégage la carotte. Non, ça je garde. Je prends tout, même si ça sert à rien. Hop, les bottes. J'ai des bottes en quoi? Ah ouais, mais elles sont enchantes.
Et voilà, on continue avec des salles. Une salle vide encore. C'est quoi ça? Ah, une tarte. J'en avais jamais vu encore, il me semble. Après, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est la première fois que je vois une tarte. En même temps, je me balade pas souvent sur Minecraft, donc c'est pas impossible que ce soit vraiment la première fois. Ça me dit quelque chose, cette salle. Mais pourtant... Aïe, 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 aïe. Ok. C'est une salle qui ne me dit rien. Enfin, qui me disait quelque chose, mais qu'en fait, non. J'ai plus de flèches, donc de toute façon, va falloir y aller à l'épée. Tiens, crève, mécréant. Et voilà, et de deux. Putain, c'était facile. Enfin, c'était facile. Là, un coffre. Hop, des flèches, ça va m'être utile. Allez. Hop, hop. Yes, facile, les doigts dans le nez. Ouais, je vais enchanter mon épée. 7. Sharpness. J'espérais que j'aurais une... Comment ça s'appelle? Un truc pour que ça dure plus longtemps. Mais apparemment, j'ai pas eu de chance. C'est quoi ça? Avec des zombies. Et il y a une épée sur le mur. Donc, je peux pas m'empêcher d'y aller. Crève, toi. Ouais, même si c'est une épée en or, tant pis. C'est quand même utile. Étant donné que c'est un petit peu la dèche quand même en ce moment. Donc, on va quand même aller visiter les araignées. Hein. Maintenant que j'ai des flèches. What the f... D'où tu sors, toi? Et arrête de... Ouais, en plus, elles sont un petit peu buggées. Donc, ça me fait gaspiller des flèches. Sans compter ces petits sauts à la con. Et de une, et de deux. Et il y en a une troisième, forcément. Ah non, il y en a même quatre. Hop. Et de une, et de deux. C'est bon. Hop, on change d'arme. Ah oui, c'est vrai qu'on peut parer avec les épées. Allez, affûte. Là, il y a un coffre. Hop. Oh, yes, épée en... Vite. Toi, tu crèves. Et moi, je me casse. Purée, je récupère pas mal d'XP. C'est pas mal. Niveau 17. Voilà. Donc, tout ce côté-là, je l'ai fait. D'où tu sors, toi? J'ai oublié de fermer une salle? Oh oh. Reste dedans, s'il vous plaît. Oh merde, ils se battaient entre eux. Allez. C'est bon. Putain. What the... Dégage, enfoiré. Dégage. J'ai pas visité celle-là. Pourtant, la porte est ouverte. Si, je l'ai visité. Mais d'où ils sont sortis? Ne dites pas que c'est à cause de l'obscurité. Bon, donc, de toute façon, il nous reste ce côté-là à faire. Là, je vais visiter vite fait. De toute façon... Bah, j'aurais pu le faire l'autre fois, en fait. Pelle. Ouais, mais il me faudrait une pioche. Ça me sert à rien, tout ça. Bon. Donc, cette salle était une salle double. C'est une fiole d'eau, ça, à tous les coups. Allez, le zombie! Et de 1. Et de 2. Ok, mon inventaire est plein. Ça, ça dégage. Hop, potion. Là, il y a une salle annexe. C'est bon, il n'y a rien. If you don't know how to make potion... Ah, si vous ne savez pas faire des potions, faites gaffe au dispositif dans le coffre. Et ben, on va essayer de faire des potions. Hein. J'y connais rien du tout. Mais on va s'y mettre doucement. Hop, déjà, il va falloir de l'eau. Redstone, Ghast Tear et Netherwart. Évidemment, il n'y a pas d'eau. Et évidemment, je suis dans la mouise. Bon, bah... Ah si, je sais où je peux trouver de l'eau, mais il va me falloir mon seau. Hop. Ouais, non, je vais pas m'emmerder à faire des potions. De toute façon, je les prends pas. Bon, on va faire un petit check complet de l'inventaire. Donc le fût en chêne, on va le remplacer par un fût en cuir. On va balancer tout ce qu'on n'a pas besoin dans le coffre, à savoir les cadres, les os, les yeux d'araignée. Ah non, c'est une potion de vision nocturne, dont j'en ai rien à foutre. Blablabla, la rose, j'en ai pas besoin.
Et c'est tout, hein. L'arc, je peux le balancer. Celui-là, je vais le garder au cas où. Ouais, non, je peux le balancer aussi. Et à la limite, je peux balancer ça. Voilà, déjà c'est du tri qui fait du bien. Les tableaux, on les dégage. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais il me semble que ça peut m'être utile. Et on y retourne et on se casse. Oh l'enfoiré. Mais d'où tu sors, toi? Il me semblait que je vais fermer toutes les portes. Et maintenant, on va s'attaquer au boss. Parce que c'est le seul truc qui reste à faire. Oh, j'aime pas ce bruit. Ok. Oh non, les blazes. Je hais ces trucs-là. Explose le creeper. Putain, les petites araignées aussi. Je me casse, je me casse, je me casse. Ah, purée, j'ai eu du bol. J'ai survécu. Mais en plus, j'avais même pas ma bouffe au max. Sans blague. Je suis vraiment débile. Mais bon, on se motive et on va y arriver. Faut juste que je me prépare à l'éventualité où mon épée pourrait péter. Ce qui va très certainement arriver très bientôt. Et je vais aller récupérer de la flotte. Qui me sera certainement très utile. De quoi? Je peux pas récupérer... Pardon? D'où je peux pas récupérer l'eau? Purée. Là, je suis dans la mouise. Bon, allez. Allez, remonte la vie plus vite. Allez, 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 allez. Bon, on va marcher un petit peu, hein, en attendant. Je me souviens plus où c'est que j'enchante mon truc. Ouais, c'est là. J'y retournerai bien. Viens par là, le squelette. Pour enchanter mon épée en fer. Hop, allez. Un enchant level 7. Bon, tant pis, level 5. Sharpness, ça me va. On va pas faire la fine bouche de toute façon. Pour 5 niveaux. C'est très bien. Allez. J'ai toute ma vie bientôt. Allez, allez, allez. Je suis sûr que ces connards ils vont sortir. Hop. Il est mort. Merde, il y en a un deuxième. Ouh. Oh, ce talent. Oh. Ça, c'est pas du talent. C'est chaud. Y'a plus rien, y'a plus rien. Ah, saloperie! J'ai eu chaud. La torche de redstone, on va la replacer. Parce que je devais pas l'enlever. Et on a survécu. Bon, en même temps, ce boss-là était plutôt facile. Et là, en fait, on va éteindre ça. Et il faut aller... Par là, j'ai l'impression. Hop. Et c'est parti pour la suite de nos aventures. Allez, hop. On va aller essayer ça. On va ouvrir l'autre porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, des sticks. Je prends tout, hein, même si ça sert à rien, on verra bien. En tout cas, je vois pas pourquoi ça servirait à quelque chose. C'est tout? Je me suis fait arnaquer. Bon, c'est pas grave. On continue. Hop. Épée. Hop. Là, on pourra y aller que plus tard. Putain, mais il fait chier avec cette tête sur les murs. C'est un coup à choper une crise cardiaque à la con. Hop. Droite. Ah, purée. Bon, ben, merci le creeper d'avoir tout pété. Enfin, tout pété. Ok, elles existent les araignées, oui. Vas-y, pète. Bon bah pète pas, tant pis. Et voilà. Le zombie. Enfin, le faux zombie, t'arrêtes. L'enclume, je sais pas m'en servir. Et c'est tout. Et on s'arrache. Y'a pas un tableau? Il y avait peut-être un tableau, mais y'a tout qui a été détruit lorsque le creeper a explosé. Hop, suivante. Hop. Là, sur le côté, il y a un chestplate en or. Qui, évidemment, est tombé à l'autre bout de la salle. Il n'y a pas de coffre. Sans déconner, il commence à être radin. Et prends le chestplate. Il faut dégager ça. Et on se casse. Il va falloir que je fasse du tri. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Et ça dégage.
Bon, à gauche, il y a du zombie. Là, il n'y a rien. Ça a pété à travers le mur, pas mal. L'épée, je la garde, même si c'est un petit peu de la merde. Oh! C'est un cadeau, ça. Des bouteilles d'XP. Je vais m'éclater. Babababam. Allez, le steak. Ouais, je sais plus de quoi me séparer, en fait. Qu'est-ce que je vais pas avoir besoin? Allez, ça dégage. Je ferais bien de commencer à manger de temps en temps autre chose que ma viande pourrie de zombie. Déjà, ça me remonte plus mon truc. Et on va finir sur un steak. Allez, soyons fous. Et voilà. Et on va placer des patates. Et on va enchanter notre épée. 14, ça fait un petit peu beaucoup, je trouve. On va dire un truc limite 10. 10, bon allez 8. Bane of Anthropods. Donc contre les araignées, si je dis pas de conneries. Donc je sais que maintenant les araignées, je les attaque avec mon épée en pierre et le reste avec mon épée l'autre. Livre. Poisonous potato. Oh, ah bah non, j'ai pas de plume. Je pensais que je pouvais faire des flèches avec tout ce qui me filait, mais même pas. On peut rien faire. Oh, chestplate, pas chestplate, casque. Allez, on va dire que ça protège mieux. Au pire, on pourra toujours changer après. Bon, vous voulez vraiment que je vienne, les zombies? C'est votre problème. Hop, hop. Putain, je me débrouille bien. Je suis pas encore mort. Alors que dans... Comment ça s'appelait? Les expériences maléfiques, je crevais toutes les 2 minutes. Allez, hop. Allez les zombies, c'est la fête. Hop. Épée, pomme, torche. Ah, je sais à quoi elles servent les torches. Putain, mais d'où ils spawnent par 3? Hop. Par 4. À moins qu'il y ait plusieurs spawns, mais... Ça me paraît un petit peu bizarre. Les torches, elles servent à ça. À sécuriser les mobs spawners. Voilà. Ouais, non, j'ai déjà viré un truc en chaîne pour foutre un fût en... Comment ça s'appelle? En cuir. Est-ce qu'il y a un autre truc intéressant? Oui. Hop. Non. Non. Et non. Workroom, salle de travail, again. Coffre, hop, melon, j'ai pas la place, pain, j'ai pas la place. On va manger un poisson, même si j'ai pas spécial. Ouais, merde, je peux pas. Qu'est-ce que je pourrais virer? Bah, les bouteilles d'enchantement. De toute façon, si je crève, je repars du début pour l'instant. Donc, je peux me faire ce petit plaisir et prendre le melon. Et remettre mon épée, blablabla. Bon. La pomme, hop. Et on se casse. Donc. Homme. Il va bien y avoir quelque chose un jour dans ces toilettes, c'est pas possible autrement. Sinon, à quoi ça sert? À part à chercher un petit peu de réalisme. Hop, hop, que dalle. Et putain! Je suis désolé si j'ai soufflé un petit peu fort dans le micro, mais il m'a encore embêté avec sa tête de squelette à la con au-dessus des toilettes. What the fuck, il y a du monde. Hop. Bon, bah, c'est la fête du squelette, hein. Ils se mettent tous à la queue leu-leu, en plus, ces crétins. What, toi, tu sors pas. Et voilà, il n'y a plus personne. Torche. Toc, toc. Et en plus, ils nous en donnent plein. Oh, épée en fer. Épée en bois, désolé, mais tu dégages. J'ai vu un cadre avec une potion dont on se fout, je ne les utilise pas. D'ailleurs, je pourrais commencer à les utiliser. Ça sert à quoi, ça? Je peux pas m'en servir. Donc, ça ne sert à rien. On va continuer dans cette longueur-là du couloir. Pourquoi c'est fermé, ça? Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, vu l'étoile, ça doit être des araignées. Hop. Alors, on prend mon épée spéciale araignée.
What the f... Oh purée. En plus, c'est la fin du chrono. Il va falloir que je me débarrasse de ces araignées et que je sauve ma vie. Vite. Putain, je suis pris dans une toile. Je sors de la salle et c'est bon. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Voilà. Je vais aller m'enfermer dans les toilettes. Le zombie, tu restes là-bas. Voilà, je vais m'enfermer là, je suis en sécurité. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Tiens, qu'est-ce que ça fout là-haut, ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert et un commentaire pour me le faire savoir. Et même à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de cette superbe map. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très bonne continuation à tous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Now I know the only compass that I need, oh, is the one.